Je me rappelle avoir mis mon alarme. Je me rappelle d'avoir eu hâte à quelque chose. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Faire quelque chose. Okay. Alex peut raconter des histoires de fugue familiale autant qu'il veut, mais moi, j'y crois pas. Fuck. Audrey, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai déjà dit que tu pouvais pas juste venir quand ça tombe. On fait du travail sérieux, nous autres. C'est sérieux, justement. Oh, not again. First, ton chum qui vole un dep. Maintenant, Fred qui disparaît. Je t'en ai de tes amis fuckés. C'est pas ça que j'appelle sérieux. Si tu te tenais pas avec du monde tout croche, t'en aurais peut-être pas de problème. Puis moi, j'aurais la paix. Non, mais t'es bouché. À quoi ça, ton hostie badge? C'est ta job de t'occuper de ces cas-là. Reviens avec des preuves. Là, je vais t'écouter. Until then, ressort du poste. J'allais voir mon oncle au poste. Pas de preuves, pas d'enquête. Fait que je me suis dit qu'on pourrait se diviser. Audrey, laisse faire. On s'en est parlé ce matin. Ça sert à rien de la chercher. Ça fait longtemps qu'elle parle qu'elle veut faire une fugue. Qu'est-ce que t'en sais? Elle a même pas laissé de message. Ben là, moi aussi, si je voulais me faire une nouvelle vie, j'en laisserais pas de message. Me semble qu'elle te l'aurait dit. Elle t'aimait, elle était folle de toi. Oui, exactement. Folle. Peut-être qu'elle a réalisé qu'elle avait aucune chance avec moi pis c'est pour ça qu'elle est partie. C'est peut-être mieux comme ça. C'est vraiment trop te demander hein, d'avoir du cœur pour une fois. C'est tout? Tu te rends aussi facilement que ça. Je pensais que la vérité comptait pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, frère? Je me rappelle avoir mis mon alarme. Je me rappelle d'avoir eu hâte à quelque chose. Qu'est-ce qui m'est arrivé?